Elle entre en 1941, à l'âge de 9 ans, à l'école du ballet de l'Opéra National de Paris, dont elle intègre le ballet en 1946, nommée danseuse étoile en 1951. Elle crée notamment en 1955 Roméo et Juliette chorégraphiée par Serge Liffard. En 1960, elle quitte le ballet de l'Opéra de Paris et rejoint le ballet international du Marquis de Cuevas. Jusqu'en 1962. Puis elle se produit avec le grand ballet classique de France qu'elle fonde avec son mari. Après avoir mis fin à sa carrière de danseuse, elle enseigne la danse. Elle apparaît dans quelques films, notamment Myerling de Terence Young, 1968.